Madame Lacombe ? Oui, c'est moi. C'est pas Monsieur Lajoie qui devait nous recevoir ce matin ? Monsieur Lajoie est mort vendredi dernier. C'est moi qui le remplace. Oh mon Dieu ! Je me présente, Madame Rancourt, directrice de l'institution. Moi, c'est Claudia Lacombe, et ça, c'est mon fils, Charles-Antoine. Voulez-vous du café? Non, merci. Du café dans mon bureau. Bon, racontez-moi pourquoi vous voulez inscrire votre fils dans notre institution catholique. Mon fils, madame, manque de discipline. J'ai bien de la misère avec. J'ai beau tout faire à sa place, je sais plus quoi faire, il veut rien savoir. Ses notes ont commencé à baisser à l'école, puis... Franchement, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Ma mère est folle. Faut que vous compreniez ça. Elle est sur le PS, ça fait 2 ans. Elle est pas capable de s'en craft dinner. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il faut que je travaille 35 heures semaine chez elle pour payer le loyer. J'ai 16 ans. C'est elle qui a besoin de discipline, c'est pas moi. Nous avons affaire à un rebelle, Madame Lacombe. Oui. Nous allons commencer par un test que je fais passer aux âmes dures comme monsieur ici présent. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Vous vous piquez? Madame Lacombe, il y a de fortes chances que votre fils tombe dans l'enfer de la drogue d'ici peu. Hey, c'est quoi la joke, là? C'est un complot, c'est quoi? Comment t'as fait pour me faire une affaire de même, toi? Hey, t'es ben 5-6 seringues par jour sur le dos de la mère, pis hey, t'es parti sur le trip! Hey, j'ai rien fait de vous capoter ben raide, là. Deuxième porte à droite pour les toilettes, Madame Lacombe. Toi, tu restes ici. Je vois que ton idiote de mère ne t'a pas appris grand-chose dans la vie. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'apprendre comment ça fonctionne sous mon règne. Je vais t'expliquer comme je le ferai à un enfant de 3 ans, pour être sûre que ton minuscule cerveau comprenne bien. C'est très simple. Ici, il y a les gens droits, qui suivent les instructions à la lettre. Et il y a ceux qui s'écrasent. La racaille ! Les vermines, les vauriens ! Voici votre café, Madame Rancourt. Bois-le. Il est pour vous le café, Madame Rancourt. Bois-le, j'ai dit. Laissez-la tranquille. Pas la première qui essaie de m'empoisonner. Hé, toi! Si tu veux pas que je te fasse la même chose que j'ai faite à Monsieur Lajoie vendredi dernier, t'es mieux de te rasseoir. Et pas un mot à ta mère. Compris? C'est quoi ça? C'est la drogue dure que je viens de trouver dans les poches de votre garçon, Madame Lacombe. Tu sortiras pas d'ici tant que tu seras pas guérie. Puis c'est sûrement pas moi qui vais payer pour tout ça. Maudit hypocrite! Ne vous inquiétez pas, Madame Lacombe. On a de beaux projets pour votre fils. De très beaux projets.